j'aime beaucoup, beaucoup mon pays. J'aime trop mon pays. Salut les gars et les go de la team Choco du 237 et du monde. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, moi c'est Yvan de Drama, le papa Japap. Congo ça, Sokok et tout ce que tu veux, j'accepte seulement. Moi je me porte super, super bien. J'espère que toi aussi tu vas comme tu veux. Donc, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour éclaircir, pour donner la vérité sur tout le buzz qui se passe actuellement au Cameroun entre Steve Fa et le grand Barack, et pour parler aussi un peu du Bikutsi camerounais, de cette diva qui sont en guerre pour le titre de la meilleure Bikutskienne du Cameroun. Pour ce qui concerne Steve Fa et le grand Barack, je ne vais pas aller par quatre chemins pour vous dire la vérité. Donc une vérité quand même qui m'a choqué quand j'ai appris moi-même avec tout ce qu'ils ont orchestré. Ils ont bien dressé leur plan d'action. Ils savaient ce qu'il fallait faire pour inciter les Camerounais. Tout un buzz, vous voyez, c'était le buzz de l'année. C'était waouh, un buzz tellement bien fait, mais alors trop même. Il y avait un peu trop de... Il y avait trop de... Je sais pas si c'est la vérité. Il y avait trop de... Il s'est trop impliqué dans ce buzz, en fait. C'était un buzz. Et il y a les preuves que c'était un buzz. Steve Fa lui-même vient de faire son 3 minutes du peuple avec Grand Barack. Où il était en réunion. Donc, il faisait toujours comme si c'était la comédie style. Donne mon passeport, non. Donne mon passeport, non. Oh, tu fumes le manga. Et qui est le buzz de ça? Je donne les mains, je donne les pieds. Donc actuellement, ils sont en train de faire ce buzz donc, pour lancer le prochain clip de Grand Barack qui va sortir d'ici peu. Et ils vont donc en tournée en Belgique comme c'était prévu. Donc Grand Barack ne prend aucun chanvre. Grand Barack n'est pas parti de ce Steve Fa. Steve Fa n'a pas chassé Grand Barack. Il n'a pas pris ses papiers et son passeport et tout ce qu'il disait que Steve Fa avait pris. Il n'y a rien de tout en fait le buzz. Donc c'était une histoire montée de toutes pièces par ces deux... je vais dire comment c'est de mettre du buzz. Donc c'est pas la première fois que Steve Fa fait ce style de buzz. Vous me le savez, il avait fait le même buzz avec quand il voulait lancer le premier clip de Grand Barack. Il a mis le buzz entre Grand Barack et Nyangondo du Sud. Ça avait dosé. C'est comme ça que Grand Barack est arrivé à 1 million de vues sur YouTube avec son premier clip. Donc ils ont donc fait ce nouveau buzz. Enfin que le clip de Grand Barack qui se prépare, sorte et que ça cartonne à nouveau. Donc je donne les mains, je donne les pieds, je donne tout. Moi je croyais, j'ai cru. C'est parce que vous m'avez écrit sur Instagram pour me dire non, regarde vraiment le fond de cette affaire. Et quand vous-même, est-ce que quelqu'un de normal peut prendre, il prend ses pièces pour faire quoi avec? Donc c'est tout ça qui montre que c'était le buzz. Et lui-même, il a confirmé que c'était un buzz sur sa chaîne YouTube. 3 minutes du peuple. Il vient de faire une vidéo où il montre que c'était un buzz. Donc, mal off to you. Buzz, papa buzz. Pour ce qui est de l'histoire qui se trafique, qui se passe actuellement entre les reines du Bikutsi du 237, entre autres, la diva Lady Ponce et Coco Enchanté Mani Bella. En fait... Ça concerne le prochain concert de Lady Ponce qui aura lieu à l'Olympia en France. Elle a donc été boycottée sur la toile par ses copines, par ses trois mousquetaires et tout et tout. Il y a toute une histoire de jalousie et de revendication du titre de la plus grande danseuse, chanteuse du Bikutsi au Cameroun. La couronne se bagarre entre Lady Ponce et... Coco Enchanté, elles deux, elles sont en train de... Et Lady Ponce, elle ne rit même plus. Alors le tout, c'est elle ne rit plus. Dès que tu la piques un peu sur le net, la main, elle te répond une fois. Elle ne laisse même plus. Elle répond à chaque commentaire. Tu commentes un peu, genre là. Qu'elle t'a déjà classé. Donc, elle dit que celui qui tente encore de vouloir venir là, croit que non, il va dire que s'il te plaît, excuse-moi Lady Ponce, c'était nous sommes les soeurs du même pays. Quoi? Elle a mis beaucoup d'argent dans son projet de l'Olympia. Et les artistes camerounais la soutiennent. C'est comme ça qu'on a vu les artistes comme Longue Longue, comme Malos Tulan, qui nous ont dit que non, Grant, nous sommes derrière toi. Tu es une femme qui prouve et qui va continuer à prouver. Donc, s'il vous plaît, soutenez Lady Ponce dans son projet de l'Olympia. Elle va faire un méga giga concert pour montrer que le Cameroun peut et qu'elle peut. Donc, nous sommes derrière toi, Lady Ponce. Lève les pieds et les mains. En pillant! Donc c'était une vidéo juste pour vous éclaircir sur ce sujet là. Donc maintenant tout le monde est au courant de ce qui se passe réellement entre Steve Fa et le grand Barack.
c'était du buzz. Et j'ai éclairci ça. Alors vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification, mes papas Japa, mes mamas Kongusa. Ouais. Et vous vous abonnez avec. J'ai besoin de vos abonnements, de vos likes et de vos commentaires. Je vous aime gros comme le monde. Bisous, à très bientôt.